j'ai manqué ma vie. Toi seul, ma seule est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. J'existe pour toi, je vis pour toi, Seigneur. Tu m'as créé pour toi, Jésus. Je t'appartiens complètement à toi, Seigneur. Levez-moi crier merci Seigneur. Levez-moi crier merci Seigneur. Levez-moi crier merci Seigneur.
Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bonjour, dépendamment qu'on doit écouter l'édition Ebou 13.8 TV. Jeudi, c'est jeudi 17 septembre 2020. C'est une autre occasion, l'autre possibilité que le Seigneur ban nous pour nous capables en vie et justement pour proclamer nom qui plus grand, nom côté le monde entier caché la donne. C'est refuge nous. Même gens y ont moun besoin, y ont refuge pour l'habiter non caille, pour la pluie pas mouiller, quelconque pour soleil pas brûler. Quelconque, donc de même, encore plus grand, le nom de Jésus-Christ servit nos refuges, nos forteresses. Nous saluons tout super branché, émission Hébreux 13.8 TV, chaque jeudi, dans l'enseignement, le livre des livres. Nous saluons tout bien-aimé, quel que soit côté branché, nous saluons toutes amies qui gagnent des stations de radio, soit en province ou bien quel que soit côté où dans le monde. Qu'on n'y a pas une province avec capitale encore, le monde font seul. Donc, ma voici m'a retiré mon province, capitale, ça son pays, ça son nation, ça c'est... Non, qu'on y a le monde fait yon seul, pas une question de on l'autre pays. Le monde font seul, non mais nous, c'est nous pour qu'on carré ça. Donc, réseau social yon montre que le monde... Fait yon seul, quel que soit Saoudi, à moins que le pas passé dans la télévision ou bien le pas passé sur les réseaux sociaux, même l'on pas attendu pour moment ça, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, la font écho quand même, justement la gueule, depuis le bon, tout ça qui bon la gueule dans le monde là, yon le quand même, le monde entier a fini par rendre compte ça ou t'es la guerre. Eh bien, encore une fois, moi, salue tout un chacun qui branchait de près et de loin. Donc, l'enseignement, le livre des livres, qui c'est la Bible, le plus grand livre du monde. Donc, c'est dans l'optique ça, nous saluons. Nous déjà gagné la sœur Bernadette Mathurin qui est nous en ligne depuis Boston, qui l'a pour bénir nous toujours dans le cantique. Donc, l'eau tombée dans Hébreux 13.8 TV, ou déjà tombé dans l'assemblée. Donc, ou jouen tout programme yo, ou jouen cantique, ou jouen lecture, ou jouen prédication, donc qui pour bénir dans. Sœur Bernadette déjà là, la sœur Carole Lila, donc c'est animatrice émission yo, pour capable présenter aux émissions Hébreux 13.8 TV. Donc, nous saluons tout bien aimé qui a écouté, rete branché. Et n'a justement salué la sœur Bernadette qui pral bénir nous. Sœur Bernadette, bonsoir. Que le Seigneur capable bénir. Amen. Bonsoir, Pasteur David. Dans le plus grand de toute la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, notre Père éternel. Bonjour, bonsoir, tout bien-aimé auditeur, frères et sœurs, qui branchait éditeur et brûlé qui vit. Moi, c'est Sœur Bernadette Mathurin du côté de Boston. Moi, salut Pasteur David, animateur et missionneur, le bien-aimé en date pour proclamer l'évangile par Paul puissant de notre Seigneur Jésus et la paix intérieure. Moi, salut le député du Pennsylvania avec tout collaborateur New York. Nous, en grâce à Dieu qui permet nous rester en vie. Pour nous avoir continué dans bonne gloire et promoter nous à travers le monde et à travers différents services civils. Et nous pouvons entendre encore si pour la plus grande gloire le Seigneur Jésus-Christ. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié. Pour moi, et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les femmes de moi.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a brisé mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce mon mal à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne, intégrée pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisé, il me dit, vois combien je t'aime, et il meurt pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur remonta au ciel. Mais bientôt il va reparaître, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes les petits auditeurs qui sont branchés sur l'émission Les Écouteurs. Mon Dieu béni, nous les saluons. Nous sommes côté que nous prenons la parole, tu sais, comment t'inviter, tu sais, bénis-nous, nous vivons la parole. Oui, c'est un chaos, du côté de l'idée, nous parlons de l'enjeu. C'est que tu nous, tu te m'as encore écrit, chapitre 15, à partir du verset 13 à 15. Et Corinthiens 15, verset 13. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril?
Chaque jour, je suis exposée à la grande. Je l'atteste. Frère, par la grande, vous êtes pour moi le sujet. En Jésus-Christ, notre Seigneur, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à effet, quel avantage m'en revient-il? S'il est mort de ressusciter, mangeons et buvons quand demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Quand quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu seul ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui maigra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Oui, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Les autres est la chair des hommes, autres c'est des quadrupèdes, autres c'est des oiseaux, autres c'est des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en un éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et Corinthiens 15, verset 50, pour finir, ce que je dis, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Gloire à Dieu, merci Seigneur, nous bénissons les Seigneurs pour le travail et qui a propagé à travers le monde. Que le nom de Dieu soit béni. Nous saluons encore une fois la sœur Carole Nazaire du côté de New Jersey qui l'a pour faire lecture pour nous et nous bénit. Et très clair, nous tendons lecture. Non? Et nous saluons la sœur Bernadette Mathurin de Boston
qui bénit nous dans yon cantique. Je dis à c'est le livre des livres, entre parenthèses, la Bible, le plus grand livre du monde. Et dans l'émission ça, nous promoter livre là. Pas gagnons livre qui plus grand que livre ça. En dans livre là, li complet, li gagné tout ça ou constaté dans le monde. Donc c'est à travers livre là, nous capables nourrir spirituellement. N'abandonne rete branché rete connecté, non pas c'est David Sirai et yon animateur émission Hébreu 13:8 TV. Nous officiels sur Facebook, nous officiels sur YouTube et vidéo aller sur réseaux sociaux. Donc autant de fois que nous cap partager parce que c'est bon business, mais c'est justement pour nous encourager les cœurs et qui dans capable dit qui troublé et pour capable gagner une foi qui ferme pour capable servir le Seigneur. Restez branchés et n'a retourné un peu de temps. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et Oh,
Nous retourner dans le micro pour nous capables de continuer et enseignement pour même. Et encore une fois, nous demander où capable notamment visiter page taper Hébreu 13:8 TV ou bien taper David Sirai pour même qui à peine joigne et programme Hébreu 13:8 TV. Taper David Sirai, Jean ou elle écrit sous plateforme non. Et ou gen doit taper Hébreu 13:8 TV li sous plateforme non. Nous mande ou capable et joignez nous sous page parce que gen plusieurs enseignements qui fait sous lit, gen tout type d'enseignement. Enseignement sur la divinité de Christ. Et pour gagner une bonne information de la divinité de Christ. Et qui enseignait sous diverses manières. Et qui présentait sous diverses révélations différentes. Et au capable aller sous page là et ou capable suivre avec nous. Et il y a plusieurs autres études sur la vie de l'homme sur la terre. Et qui côté l'homme sorti ou pas seulement répondre une question pour dire en Dieu, oui, c'est très bien. Et bon, gen moun peu qui pa même connaissent en Dieu, yo ignorer question Dieu, mais quand même, ou ap capable, gen tout un processus, côté l'homme sorti, et qui côté l'homme y est, et côté l'homme ap retourné. Donc, les importants. Ou ap j'en plusieurs, enseignements sur l'église et qui présentait sous plusieurs types d'église et qui vraiment intéressant et peut-être Jean yoté de comprendre qui ça l'églisier donc sous Hébreu 13:8 TV donc ça va aider au davantage ouais plus bagage. Donc, l'important pour aller connaître qui ça l'églisier, l'église, qui ça y ont assemblé des saints, et qui ça l'autre assemblé y est. Donc, il y a plusieurs enseignements. Il y a plusieurs enseignements sur plusieurs types de baptême dans, sous paille ça. Donc, ça va être donc grandit davantage. Gain quelques cérémonies que vous faites dans des assemblées, donc peut-être ou gain difficulté pour comprendre expression yo terme yo donc à travers à la lumière de la Bible donc on va connaître plus à la lumière de la parole de Dieu, la parole faite chair, donc ça va aider vous. Il y a plusieurs études, enseignements qui fait sur le retour de Jésus-Christ. Plusieurs enseignements nous prônent que le Seigneur Jésus-Christ est notre Père éternel, n'est-ce pas? Il est omniprésent. Si il est omniprésent, qui côté l'aller? Et comment le faire venir, question aller venir, hein? Et nous avons une lumière sous lit. Donc, l'important dans l'édition Hébreu 13:8 TV, ou avoir une lumière sous genre de questions ça, yo. Si le Seigneur omniprésent,
Cependant, l'omniprésence signifie il est là en permanence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jambes déplacées. Pas bon déplacement pour Dieu. En gros, généralement, Dieu pas bon déplacement. Il t'est vini. Donc ça, c'est un paquet de langage, un paquet de vraiment et jargon spirituel qu'on besoin qu'on ait. L'Éternel t'est vini. Li voye petit li. C'est pareil pour qu'on ait. Parce que, ou sans c'est confus, Dieu est Dieu, il est omniprésent. Comment la fait voyer? Si Dieu, il est le tout puissant, il n'a pas besoin d'aide personne. S'il n'a pas besoin d'aide personne, et me joindre dans la Bible, li voye pour venir sauver l'homme. Bagay sa yo, bouleverso, n'est-ce pas? Donc, ou pas comprendre langage yo. Donc, non, Hébreu 13:8 TV, notamment, donc, expression ça y est expliqué clair. Il y a plusieurs autres études. La Bible, le livre des livres, présente que, et, oh, Nathan le Seigneur vini. Nathan le Seigneur vini. Nous entendons l'expression? Et la Bible dit que le Seigneur dit dans Matthieu 28, n'est-ce pas? Et il est dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et la Bible, de l'autre côté, elle dit, l'abvini, l'elvini, tout monde va ouel, tout Dieu va ouel. Même si là, yo, qui t'est blessé, frappel, mette couronne, d'épines sous tête li, kalel, souffletel, yo va ouel. Comment ça? Bagay sa yo, c'est bagay ou doué comprendre. Ouais, yo réfléchi à ça. Mais comment yo pral ouel? Moun yo mouri déjà, yale, la trigue. Donc, son paquet bagay qu'on t'a vu, je connais. Voilà. Important pour nous t'a connaître. Eh bien, bon, ok. Il y a plusieurs études sur la mort. Plusieurs types de mort qu'il y a besoin qu'on ait. Donc, est-ce que le nous mourir qui côté n'allait? Est-ce que nous aurions été dans la tombe? Est-ce que nous aurions été là, nous finis? Qui côté? Moun qui mourit déjà, yo, qui côté allait? Ou pas d'arrêter qu'on ait ça? Tout ça yo déjà traité dans édition Hébreu 13:8 TV. Visitez page 1. OK? Nous toujours tendez que nous dit la Bible parlait et majorité de prédicateurs parlait de l'enfer. Yo même qu'on voyait quelque monde dans l'enfer. Yo dit moun ça pas aller non. Et page là, et il y a plusieurs types d'enseignements qui enseignent sous ça, pour qu'il n'y ait pas plus clair. Il y a des langages qui pas adaptable avec, notamment, avec le livre des livres. Donc, ce sont des langages traditionnels. Il y a qu'un BO, et puis, il y a lancé, mon page, j'aime comprendre. Il y a plusieurs enseignements sur les dons, et dons yo, les dons ministériels, n'est-ce pas? Donc, les dons spirituels, tout ça yo sous page là, dons spirituels et dons ministériels, comment moi ka comprendre ça yo? Les dons ministériels tels que les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, les dons ministériels, comment ils ont fonctionné? Quel meilleur moyen pour utiliser dons ça? Donc, l'important, vous comprenez? Donc, tout ça, besoin et questionner et l'esprit pour qu'on ait.
les dons spirituels. C'est différent. Il y a les dons spirituels et les dons ministériels. Well, c'est pas même bagaille. Donc, c'est pas même bagaille. Donc, il est important pour qu'on ait, yo. Très important. Très important. Donc, au final, qui ça va faire? Qui ça va faire? Au final, au besoin qu'on ait. Édition Hébreu 13:8 enseigne en pile. Édition Hébreu 13:8 TV portait en pile enseignement. Enseignement sur le mariage. Enseignement sur le remariage. Enseignement sur le divorce. Important. Très important. C'est pas ça. Besoin qu'on ait oublié. Donc, ou gagne presque 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, peut-être. Soit en face sujet ça pour traiter, soit ou peur, ou bien ou pas capable, parce que ou pas bien imbu de yo. Donc, l'important, allez sous page là, sous Facebook, sous YouTube, donc allez suivre. Allez suivre. Sujet sur les calendriers de, le calendrier de la Bible. Donc, comment yo interpréter jour yo, mois yo, année yo, comment interpréter yo bibliquement, à comment yo coordonner selon les textes bibliques. Important. Donc yo sous page là. Yo sous page là. Gen moun quelques-uns alors en pile dans nous notamment tellement attendez. Gen bien aimé, yo tande ça, yo tande ça, yo tande ça, yo tande ça. Donc, finalement, yo pa ke banye, yo pa suivre yon prédicateur de conviction. M'pa dou suivre n'importe prédicateur, mais lo jwenn yon prédicateur de conviction. Yon prédicateur de conviction. Ou besoin suivre ça. Suis prédicateur pour tant des sujets que la traité. En pile nan nous plus fait plus discussion, pété bataille gourmet, mais ou pas suivant rien. Ou pas suivant rien, donc ou pas gè ta comprendre rien. Gen bien aimé pas comprendre rien dans question la Bible, mais tout côté le passé, li nan discussion. Mais mandel li même qui s'al retenu. Rien du tout. Rien du tout. Donc, tout enseignement sa yo sous plateforme nan. Enseignement sur le salut. Le salut collectif. Tandis que, gen plusieurs côtés parler de salut personnel. Jamais. La Bible pa jam présente nous le salut personnel. On moun pa ka sauver personnellement. L'on dit sauver personnel, le salut personnel, moi ka sauver tête moi. Donc si nan kay la, si nan kay ki gen 5 moun, m défend moi même, m dégager, m sauver tête moi puis c'est fini. Et pourtant non, édition Hébreu 13 TV. Donc sou nan kay ou manger dans cala ou boire dans cala, nous fait toute bagaille en commun. Alors pour sauver gon égoïste la donne gon préjugé pour gétant dit si tel pas fait ça ou a sauver le pas sauver madame a sauver mari pas sauver quel préjugé ça veut dire division totale. Mais sous tape suivre Hébreu 13:8 TV, nous portons en pile enseignement. Nous portons en pile enseignement sur comment collecter l'argent dans les assemblées. Toujours dit ça dans les assemblées des saints. Comment collecter l'argent. Il y a bien aimé qui dit. Frère David pas croit dans l'argent. Oui. Mais selon la Bible. Selon le livre des livres. OK?
Nous vous disons que c'est à l'argent payé cash, c'est à l'argent payé machine, c'est à l'argent payé assurance, c'est à l'argent moins fait, moins utiliser l'argent chaque jour. Même justement, en ce qui a trait de la Bible, je parle de l'argent pile. Dans le foyer, je parle de l'argent pile. Mais seulement, l'aime dans la Bible, dans le livre des livres, il y a une façon pour ça parler. Il y a une façon liée. Ce n'est pas chaque jour que je viens, je parle de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais ça va m'énerver. Donc, l'argent, ça a une condition. De même pour foyer, leur travail, de une façon de gérer tout le bagage. Et bien, pour la Bible, le livre et les livres, donc, ça va qu'en fait, la 10, la date. Donc, l'argent, moi, j'ai des gens qui mettent cachap dans bagage télé, non, live qui a fait, voyez comme, mais attendez, mais bien, mais c'est la Bible, pas un business. Moun bagay doit voyez comme pour qui ça, pour faire quoi? Voyez comme pour bon Dieu, qui bon Dieu? Bon Dieu pas besoin l'argent, ça pour faire l'argent. D'ailleurs, Dieu son esprit lié, l'argent son bagay matériel lié. À quoi se sert? Donc, allez sous édition Hébreux 13:8. Pour qu'on ait plus en détail ça yo, pour nous garder, est-ce que nous devons payer dîme? Nous devons payer dîme? Est-ce jusqu'à maintenant des moun, bon, malgré Dieu fermer monde là, li mettez nous en réflexion, des moun qui toujours voyer enveloppe dîme dans l'assemblée, ça pour faire quoi? Enveloppe dîme tout, c'est ma mauvaise compréhension. C'est quoi la dîme? Pas la dîme, les dîmes. Les dîmes, tout ça y est sous page là. C'est pas une seule catégorie de dîmes. Pour qui ça, dîme n'a été qu'on utilise? Et c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est pour le rester Jean Lier. Jean Lier. Pas même l'autre cause, nos États-Unis, pas gain jardin. Non, mais c'est parce que Dieu connaît tout. Gain jardin aux États-Unis. Donc, si tu as gain dîme, question de bail 10% dans production que nous faisons, dans ça nous cultiver, c'est normal. Ça, Dieu m'a dit à l'époque, c'est ça que tu as fait. La loi est vraiment stricte. Ou pas, tu as fait autrement. Donc, comment nous d'accord pour nous faire autrement pour nous aller en dehors de ça qui est écrit, ça qui nous doit appliquer? Donc, la dîme, c'est pas l'argent. Et tout ça, sous page là, allez, mes bien-aimés, nous présenter les 6 catégories de dîmes. C'est pas Malachi 3, 10 seulement. Au contraire, Malachi 3:10, c'est pas pour les fidèles. OK? C'est pas pour les fidèles, Malachi 3:10. Donc allez sous page là. Donc tendez, il y a monde qui dit mais tendez frère David, mais tendez son paquet de rien. Bon, il pas bien. Donc faut kembe. Faut qu'on signe l'autre monde. Sous trac, ça me salue. Frère Mio qui Brésil. Frère Maxe Mio qui Chili. Frère Maxe Mio qui Saint-Domingue. Frère Maxe Mio qui Haïti. Frère Maxe Mio qui aux États-Unis. Frère Maxe Mio qui la France. Frère Maxe Mio qui Canada. Me salue nous. Donc, c'est pour nous prendre l'évangile. Maintenant, Dieu ferme le monde là pour nous capables de réfléchir. Donc, la dîme. L'autre bah, la dîme. C'est pour pécher ou. C'est pour culpabilité aux mêmes gens à n'importe sacrifice. L'idée, c'est pas aussi simple.
Donc, allez, ou après, et que mon gars pose question, donc, Abraham, la loi pour coexister, mais Abraham, t'es besoin, bail, yon petit garçon en sacrifice, mettez-le, allez, sous la montagne de Morija, bail, premier petit garçon, non, est-ce qu'ils sont faits? Abraham, t'es besoin, pour comprendre, pas de aucun mal, ou dit, c'est pas sous la loi, mais Abraham, t'es prend deux femmes librement, autant de femmes, Abraham, bat mais ok, pour qui ça va faire ça? Ou faire l'en cachette? Mais expliquez-moi mieux clair raison ou faire l'en cachette est-il écrit? Donc, pas passer à côté avec la Bible. La Bible, son bagage qui est clair. Il a besoin des hommes et des femmes de caractère qui pour faire. Mais depuis ces gens qui ont un caractère plat, ou pas qu'à faire la Bible. Ou bien, faut que yo caractère qui aussi haut pour capable enseigner la Bible. Pas voyer monter. On nous retire nous dans voyer monter. Donc c'est pas ça qui est important. Donc comment sous nouvelle alliance là, donc on besoin qu'on ait la loi et la grâce. Faut gagner enseignement ça. Yo sous page là, allez, très important. Plusieurs autres sujets encore nous enseigner. Très important. Je vais faire des rappels, quelques rappels pour nous dire nous que nous gagnons une page qui est vraiment riche. Donc il est important pour aller et vous comprenez. Il y a bien des mecs qui connent parler, connaît et qui te monde connaît si à côté de Jésus TV. Eh bien, ou quand ça pour faire et coutel le tout moun dormi net moun pa konnen ou men wap gitan konnen bagay et on prend ou met coutel le moun dormi le moun pa tande ou gen bien aimé ou comprenn et yo pa vle montrer moun si a sorti nan aveuglement donc yo pa vle montrer moun si a coute Jésus TV donc mouvement l'homme mal comprenne la parole ou vini hypocrite à propre tête pa ou. Ou vin hypocrite, hypocrisie a vin tellement et agi. Donc nous il pas d'adouer comme ça. Bon. M'pense que rappel là t'es bon et pour nous te faire n'a prend yon pause et n'a prend n'importe yon vingtaine de minutes dans mes encore pour nous capable expliquer au texte ça et puis n'a quitter ou pour nous voir aller. Mais l'important parce que gain bien-aimé qui toujours mandé que pour nous capable d'envoyer numéro de téléphone. Numéro de téléphone nan sous plateforme li sous télévision nan quand on regarde là, li sous la donne ou capable texte nous, voyer des commentaires etc. li important. Donc m'a toujours fait rappel ça pour nous, des rappels qui sujet qui là sont à remel garder etc. OK? Donc si dans sujet nous parler là yo donc allez, il y a presque des centaines de vidéos qui déjà toutes c'est pour ou même cap garder ou même cap écouter là. Restez branchés, n'a retourner tout de suite pour nous capable et présenter ou et quelques minutes d'enseignement. Restez branchés, n'a retourner. À mon sauveur, à mon rocher, à mon berger. Le Sauveur, nous joignons
ô céleste phalange, pour dire gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. L'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. Nous retournons pour nous capables de continuer, mais entre temps, nous saluer la famille. Camille, Félix, mon frère en Christ, mon compagnon ministériel, moi salue famille, non? Et dans le plus grand nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et on salutation vraiment spéciale. Et notez apprenons que maman est passée au-delà. Il est vrai, peut-être c'est une bénédiction pour l'âge là, que les seigneurs permettent les vivre. Et nous espérons que ou capable de réconforter ou famille, non, capable de réconforter. Parce que espérance nous pas sous la terre. Et bénissons les seigneurs que nous te guettons parler avec mamie. Nous te guettons familiariser nous avec mamie. Et c'est pas seulement maman Pau, seulement la famille Camille Félix, mais c'est maman tout le monde dans la communauté. Hein? Donc, nous bénissons les seigneurs. Laissez-nous. Mais espérons l'heure. Nous va ensemble à jamais. À jamais. Et pas gagner faiblesse qui va dans le corps. Nous ne pas joindre aucune maladie. Et maladie va disparaître, la mort totalement. Et qui c'est une formule pour nous passer de la mort à la vie? C'est bien d'être, c'est pas un mauvais bagage. Donc, étant que frère, le nous bien avec nos frères, maman, papa, Marine, donc, les nous frapper par la mort, nous sentons nous et nous sentons frappés parce que séparation yo dur, c'est vrai, mais pour nous-mêmes qui gagne des ex, qui gagne espérance et Jean et Paul l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ dit si espérance nous t'a seulement sur la terre nous t'a moun les plus malheureux. Eh bien frère Camille, à toute famille avec ce Camille, toute famille net, toutes amies et qui liées avec frère Camille, n'a souhaité nous et pour nous une bonne restauration et rester dans la joie et puis que le Seigneur est capable de continuer béni à travers nous. Donc quel que soit sa rivière, nous bénissons le Seigneur. Nous saluons tous bien aimés qui proche frère Camille et nous. J'en dis pendant nous sous la terre. Donc, yon et de l'autre pour te
fardeau. Les yon crié, ça veut dire les yon souffri, et nous avons une responsabilité pour nous consoler, pour nous embrasser et affliction ensemble jusqu'à ce que nous retournions encore dans la joie pour nous capables de servir le Seigneur. Que le Seigneur bénisse famille, que le Seigneur continue à bénir nous de petit en petit, de génération en génération. Et nous avons lu quelques passages dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous n'avons pas prêté, parce que nous avons fait un bel rallye pour nous, à travers le ministère de Rainbow Treasure TV. Nous parlons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et li en pile 1 Corinthiens 15, mais n'apprend quelques passages, mais li important. Et sœur Carole Déjalil, il dit dans le paragraphe 30, et pourquoi nous-mêmes sommes-nous en péril à toute heure? C'est déclaration apôtre Paul, à l'apôtre du Seigneur. Il dit, je meurs tous les jours. Et Paul qui a parlé, qui a inspiré, il dit, mais je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier à cause de vous en notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est selon l'homme que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, donc là elle dit j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, c'est pas contre un lion littéral non, et contre un gros éléphant yo non, non, c'est pas littéralement. Là elle dit je vous l'atteste. Alors si selon l'homme que j'ai combattu, ça veut dire ouais, Paul montrait notamment que il prend l'autre dimension, c'est pas selon l'homme qu'il combat et les bêtes qui sont à Éphèse. Voyons, donc ce sont des hommes qui est acharné contre l'évangile de Paul. C'est pas seulement aujourd'hui, hein, depuis sous Paul et le fait que Paul prend des positions. Donc Paul relie des bêtes à Éphèse. Il relie aux animal. Il dit quel profit en ai-je? Il dit pas de problème, mais si les morts ne ressuscitent point, eh bien, si pas de résurrection, c'est à manger, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais Paul, pas de problème pour le combattre contre les bêtes à Éphèse, parce que il croit dans la résurrection. Voilà, dans la résurrection. Et paragraphe 33, il dit, ne vous y trompez point. Il a parlé avec l'église de Corinthe, l'assemblée corinthienne. Pas trop peine. Il dit, moi connais que les mauvaises compagnies, ça veut dire mauvaises relations, capables de corrompre bonne mœurs nous. Laissez-moi dire ça. Paul a parlé avec une assemblée qui connaît la parole. Pas vrai? Assemblée qui notamment identifiée qui est sauvée déjà. Ce n'est pas une assemblée qui en doute. Ou quoi me sauver? Je dis à me sauver. Bon, mal prier pour me sauver. Non. La parler avec une assemblée qui croit, qui recevra le salut éternel. Mais malgré ça, puisque y a vivre encore sur la terre, Paul dit, oh, pas tromper tête nous, Gembagay n'a pas arrivé fait quand même parce que les mauvaises compagnies corrompent leurs bonnes mœurs. Ça veut dire l'important, donc c'est pour choisir d'abord
qui moun ou en relation avec lui. L'on pas une capacité spirituelle, donc faut font choix, vous comprenez? Et ou pas qu'à dire bon mal visiter tel bagaille ou connaît quel pas bon, donc li capable et d'éteindre, on prend mot ça, d'éteindre sous. Donc les mauvaises, c'est pas parce qu'on pas sauvé nous, mais ou capable de rentrer dans des choses extraordinaires qu'on pas ta jambe croit parce que les mauvaises compagnies corrompent leur bonne mœurs. Il y a mœurs et péché, très important. Il y a une différence que m'tap fait avec un frère et qu'il pas comprendre 1 Jean 3, 1 Jean 4, 1 Jean 5 côté le Seigneur apôtre à Jean l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ a dit que il a montré frère et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et l'ouais des textes dit quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il y a des textes qui disent celui qui pêche est du diable. Il pas comprendre parce que lui croit l'évangile là n'importe comment, pas une base à suivre, il pas comprendre et à travers le sacrifice de Jésus-Christ donc notamment un package pour clairement donc que ou le croit dans package ça et que nous avons le sang immaculé de Jésus-Christ qui couvre nous, qui bat nous assurance, qui bat nous garantie la vie éternelle, il pas comme ça. Donc nous jouons un pile bien-aimé qui est obligé à faire effort pour si on a clean péché etc. Donc nous enseignons ça, allez sur page là ou à comprendre ça. Donc Paul dit ne vous y trompez point car les mauvaises compagnies corrompent leurs bonnes mœurs. Ça est pendant nous sous la terre, pendant nous vivons entre moun ak moun, donc yon ka corromp l'autre. Vous comprenez? Donc, mais le plan que Dieu fait sous la vie nous, comme le salut éternel, comme le salut commun, donc l'irrité à jamais. Al subédition et Hébreu 13 TV, donc à 20 salles. Paragraphe 34, il dit réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez point, car il y en a quelques-uns qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Il y en a quelques-uns qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Paul a parlé de moun qui là, mais pas au courant de la parole de Dieu. Sujet nous sommes parlé de l'île, donc débat ça, donc il n'est pas arrivé maîtriser, donc il manque connaissance de la parole. Paul dit, je vous le dit pour vous faire honte. Paul a dit pour l'évangile qu'elle prêchait. Donc c'est de même. En fait, l'évangile prêché dans les Hébreux 13 TV, ou à Béroïn, il y a des gens qui sont dans la communauté, des gens qui sont de l'autre côté. Donc il y a peur d'ouvrir le débat avec eux. Ils n'ont pas baissé ça tellement d'importance, etc. Pourtant, il y a des gens de très loin même, alors il y a des gens qui prêtent ou connaissent la parole, qui mettent en application, mais il y a des gens qui ne connaissent absolument rien. Paul te connaît ça, Paul dit, et il dit ça pour le café, il y a honte parce que il n'a pas maîtrisé la parole. Paragraphe 35. Mais quelqu'un dira, comment ressuscitent les morts? En quel corps viennent-ils? Voilà. Paul dit, il y a un pile monde qui dit, mais comment moi je vais ressusciter? Dans qui corps il y a vini? Dans qui corps? Et puis Paul dit, Paul exhorte, il dit, insensé. Paragraphe 36. Insensé. Ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Ah! Paul dit, nous, insensés?
Est-ce que nous pas connaît ça nous simer? Ça nous simer pas capable gagner la vie s'il pas mourir. Non, ces amis ont dit nous non et monsieur Ebou très utile, il y a plusieurs types de mort. Donc c'est pour aller consulter. Paul dit si moun souci mais yo grain maï par exemple, pour maï apporter fruit faut mourir. Ouais, ça veut dire nous gain la mort physique. C'est pas de lui la parler non. Il y a la mort spirituelle. Maintenant, faut mourir spirituellement. Tous les deux, yon va mourir physiquement et pour capable et cerner la parole de Dieu, notamment faut mourir spirituellement. OK? Faut gagner quelques dans la vie, c'est ou même complètement besoin de mourir spirituellement pour comprendre la parole. Quel est bien-aimé qui a tout orgueil, a toute jalousie, a toute haine, et puis s'il connaît, il peut comprendre la parole. Donc non, faut mourir, gon série de bagaille, faut mourir dans ou totalement. Faut pas vivre. Faut mourir totalement. Faut la haine disparaître, elle dit mourir totalement. Faut orgueil disparaître, mourir totalement. Donc pour sortir ou même dans ou même. C'est pas même, on va dire ça Paul dit. Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voilà. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un des dialogue avec yon bien-aimé frère qui dit son alors ils sont gros cadre dans ministère et puis choisi tout bonnement la bonne détail comment l'arrivée quitter madame ni il quitter madame là n'importe 3 4 timoun 5 timoun ou bien 6 il dit que et il vient trouver que madame nan li pa ka faire continuer route la vel donc bon dieu ouais toute bagaille etc. Donc voilà ça veut dire gen bagaille qui pote ko mouri nan li gen bagaille li pa ka supporter parce que li pa mouri li pa comprendre mieux pa konn comment pou comprendre situation la Bible dit nous besoin de ce qu'on appelle la maîtrise de soi. De contrôle de tout bagaille, n'est-ce pas? Donc, ou pas qu'à à un monde où gagne pas 20, 30, 40 ans, il y a un monde qui dit ou pas dans place li. Mais ou pas qu'à dire ou prophète ou bien pasteur, m'a prend ça dans mais on yon sept laïc, yon sept moun qui pas connaît et puis ou pas enseigner. Mais sous ou en face moun ou ap enseigner moun ou c'est prédicateur pasteur entendons-nous ça veut dire ou gon niveau au préalable c'est pas sorti prêcher l'autre gè madame non n'est-ce pas l'autre apprend li pour ko gè petite etc. ou pour ko connait sort des faits ou te dit un homme une femme ou te sent fier l'autre Abdullah et bien des positions dans ministère ou pas prend depuis ou pral camper comme pasteur, évangéliste, docteur pour enseigner moun et gen bagay faut mourir la caillou totalement automatiquement ou va mourir difficile pour prendre place à yo et puis ça pire de là mais si ça arrive ou qu'on y a son fait abandonner poste là ouvrez kembe poste là pendant que ou contraire avec la parole c'est pas normal m'a gen problème si m'pa capable là n'est-ce pas gen un bagay qui capable fragiliser et message là travers monde là eh bien m'fon chita ba l'autre moun enseigner m'pa gagne mal dans ça ça veut dire m'pa capable m'pa appelé pour ça aussi c'est pas gen moun qui doit pas sauver mais ou pas capable faire comme ça donc yo bal toute couleur
diable rentre dans le dossier, diable fait ceci, diable fait cela, mais au début, c'est pas ça, bon Dieu était dans le dossier, mais kounye, diable rentre, baka rentre, c'est bon, madame nan sorti, madame nan tout genre. Oh mon Dieu, voilà. Donc, Paul dit, insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie. S'il ne meurt, faut mourir. Ça veut dire, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Moi, je dis, mais quand même, qu'est-ce qu'a vivre dans ou rien? Donc, on va gagner Christ à vivre dans ou toujours, parce qu'il y a des choses écartées comme responsable. Le plus souvent, plus prêché responsable, c'est pas moun qui. Il y a des moun qui. Pas au courant de la parole, effectivement. Yo là, dans la foule, mais yo pas au courant. Paragraphe 37. 1 Corinthiens 15. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes point le corps qui naîtra, mais le simple grain selon qu'il se rencontre, grain de blé ou de quelque autre semence. Alors, Paul prend une métaphore, soit un grain de blé, un grain de maïs, quelconque, pour montrer que pour le produit, il faut le mourir. Ça veut dire, il y a des gens qui pensaient que l'évangile, ou café, est pour être à tout bloc orgueil là. Romain, tout bloc orgueil. Il y a des gens qui sont extrêmement orgueilleux. C'est terrible. Donc, il est impossible pour bailler fouille parce que bagaille ça ou pas mélanger avec ça. Paragraphe 38. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut. Écoutez. En parlant du corps, et puis, la Bible montrait que Dieu nous tout pas gagner même corps. Pas gagner même corps avec bête, à cabri, à chien, etc. C'est différent. Mais elle dit, mais Dieu, elle a créé l'homme, il a créé l'homme vraiment spécial, il dit, Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, le corps qui lui est propre, chaque semence, et en particulier, donc Dieu, d'une façon, l'a créé. Dans paragraphe 39, il dit, toute chair n'est pas la même chair. L'elfine prend métaphore, grain maïa, grain bléa, folle mourir pour revivre de même, il prend l'homme. Donc, ça fait, pour comprendre les choses spirituelles, faut comprendre les choses terrestres d'abord. Parce qu'on vit dans quoi ça. Il dit, toute chair n'est pas la même chair. Voilà. Mais, autre est la chair des hommes, autre est la chair des bêtes, autre, celle des poissons, autre, celle des oiseaux, etc. Donc, nous pas les mêmes chair, nous pas les mêmes corps. Voilà. Paragraphe 40. Il y a aussi des corps célestes. Suivant l'enseignement Paul là. Il y a aussi des corps célestes. Well. Il y a aussi des corps terrestres. Ou pas qu'à mélanger corps ça avec corps céleste. Ça veut dire deux bagages. Corps ça, corps terrestre, pas capable et utilisé pour le corps céleste. Well, Paul dit, il y a aussi des corps célestes. Ça veut dire, nous devons prendre le corps. Well, ça c'est quoi terrestre, nous qui t'en connaissons déjà. Il dit, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. C'est deux bagailles différents. Deux bagailles différents. Le corps terrestre et le corps céleste. Paragraphe 41. Et dans 42, telle est aussi la résurrection des morts. Pour expliquer la résurrection, il dit le corps est semé en corruption. En corruption, il ressuscite incorruptibilité.
dans Hébreu Théologie TV, nous toujours dit l'homme fait, l'homme né avec toute faiblesse. Question péché qui n'a pas rien. Donc, ce n'est pas l'homme qui vient avec péché. L'homme, les joints péché établis. Et Dieu vient avec une loi. Il mande l'homme. Pour l'homme, dépend de lui. Qui c'est l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal et qui représentait l'homme prend indépendance. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit le bien et le mal. Bon, là, on peut dire, on peut dire mon vérité. C'est Dieu qui établit. Dieu est l'auteur, le bien et le mal. Toute Bible a dit ça. Je ne comprends pas si qui mal ouvre ou même râle, moi je dois couper tête moun. Ça a fait garder. Ça veut dire vous créez, vous faites comme méchant ou né pour méchant pour la honte éternelle. Ça c'est normal. Vous faites comme méchant. Si vous voulez, vous posez une question, vous dites c'est un point manchette. Bon, c'est comme ça, on est méchant, on est moun. Qui cruel, bon. Ça sont l'autre débat. Donc, la Bible dit à nous, il y a le corps qui est semé en corruption. Ça veut dire, nous faites comme des hommes et des femmes de faiblesse. C'est pas moi, c'est Bible. David, dans Psaume 51, il dit je suis né. C'est pas l'élevine ou ouais, non. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est ça? Ma mère m'a conçu. L'y fait. Donc, c'est nous tous qui levés, nous prend route indépendance, non? Sous prend route indépendance, ça veut dire prend route la connaissance, l'arbre de la connaissance du mal. L'arbre de la connaissance du mal fait partie de l'indépendance. Dieu a un problème à moun qui prend route l'arbre de la connaissance du mal. Ça signifie ou indépendant, ou gérer tes tout. Dieu compte ça. L'arbre de la connaissance du bien, c'est dépendance. Ça veut dire qu'on dépend de quelqu'un. On dépend de Dieu. Donc voilà. Et l'homme, le corps est semé en corruption, il ressuscite incorruptibilité. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en force. Ainsi de suite. Donc, et pour terminer, mes chers amis, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal. Alors, le verset 45, comme aussi il est écrit, le premier Adam a été fait âme vivante et le dernier Adam, esprit vivifiant. Il parlait de l'homme naturel. Qui c'est l'homme en général qui naît dans le péché, qui naît en faiblesse, qui naît en corruption. Et à travers le sacrifice de Jésus-Christ, le dernier Adam, nous va vivre des hommes et des femmes vivifiés. Ça veut dire, nous va remplir de l'esprit de Christ. Donc nous besoins sauveurs, nous besoins ayons. Il y a une aide qui peut aider nous comprendre et pour nous sortir de la corruption, pour nous entrer dans l'incorruptibilité. Ainsi de suite.
Le premier, Adam étant de la terre, l'homme est de la terre. Donc, nous pas capables avec le Seigneur, avec Adam qui étant de la terre et qui étant terrestre, mais le second homme. Nous tout va venir le second homme, à savoir le Seigneur qui est du ciel. Le ciel, c'est ça veut dire la toute puissance de Dieu. Voilà. À travers la parole que nous entendons, nous appliquons, donc nous va venir des seigneurs, c'est-à-dire des esprits qui transforment et sortent de la chair en esprit. Merci vous même qui t'a écouté. Donc, nous espérons que nous t'ayons fait une très bonne lecture. On va continuer à lire. Pas oublier aller sous page 1. Et on va plus approfondir connaissance dans la parole là. Et nous espérons que on va vivre la parole là. Et puis, nous va sortir totalement à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Sortir de premier Adam pour nous venir le second Adam comme Christ. Pas oublier, nous avons besoin comme Christ, comme le Seigneur. Le vrai esprit qui va et avec le Seigneur à jamais. Pas oublier, la chair le sang au grand jamais pas capable hériter royaume là, puissance là, gloire là. Donc faut nous transformer ipso facto. Merci, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, moi salue nous très fort, que le Seigneur capable bénir nous, c'était amis nous, frère David, à tout staff là, qui est présenté l'enseignement sur le livre des livres, entre parenthèses, la Bible. Bonsoir et bonjour. Mon cœur est jeudi pour t'adorer.